Bonjour, voici donc le dernier tirage défi de cette année 2020. Je suis très heureuse de cette série de vidéos. Vous êtes chaque mois plus nombreux à faire confiance à mes extensions de tirage et j'en suis heureuse car cela contribue à assurer l'avenir de la chaîne. En effet, même si je propose des tirages personnalisés, je reste convaincue que les tirages généralistes, comme ceux que je propose, vous donnent les outils nécessaires à faire évoluer une situation donnée de manière positive. Je remercie tous ceux d'entre vous qui me confortent dans cette vision. L'an prochain, multipliez les offres à même de satisfaire les attentes du plus grand nombre d'entre vous. Un grand merci donc à vous pour votre soutien. Un grand merci à vous qui récompensez mon travail en faisant confiance à mes tirages, que vous pouvez liker, partager, ainsi qu'à mes extensions qui m'assurent un petit revenu qui rentabilise ce projet, cette chaîne et qui me conforte vraiment dans la conviction que si l'on fait ce que l'on croit être juste, tout est à sa juste place. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de décembre, ami taureau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Balancing Act. Votre défi est de rétablir l'équilibre, de le rétablir dans vos projets, dans ce que vous accomplissez. Il y a un facteur déséquilibrant qu'il faut envisager d'éliminer. L'action nécessaire au progrès, vous avez Cleaning House. Ces deux cartes, en se reliant, viennent parler de la nécessité de faire un ménage en profondeur pour justement aborder la suite en étant concentré vraiment sur ce qui est important, sur ce que vous entendez voir se réaliser, ce que vous entendez vivre profondément. Elle vient de s'interconnecter, surtout avec les cartes de tarot en dessous, pour vous dire que il y a des choix à opérer, des choix qui sont significatifs à terme parce qu'ils vous permettront d'investir vos ressources dans la bonne direction. Ici, cette carte, Cleaning House, il y a des choses qui pompent votre énergie et vous empêchent réellement de vous investir pleinement dans ce qui est important pour vous, dans ce qui vous permet de progresser, dans ce qui vous permet de vous épanouir. C'est vraiment une très belle dynamique que ces deux cartes ici. Parce qu'à partir du moment où vous commencerez, où vous entamerez le processus qu'il y a dans le Cleaning House, vous allez vraiment vous investir dans ce qui est important, parce que vous allez vous débarrasser de tout ce qui, pompe votre énergie et vous empêche d'être totalement concentré sur ce qui est réellement important. Donc, cette dynamique-là, à partir du moment où vous l'initiez, vous allez voir que vous allez vous débarrasser de tâches répétitives qui ne servent à rien ou qui ne vous font pas progresser, qui vous font perdre du temps. Vous allez vous débarrasser ensuite de charge mentale. Vous n'aurez pas à vous dire « Ah oui, mais il y a ceci ou cela qu'il faudrait que je gère, que j'ai promis que je m'en occuperai. » Vous vous débarrassez vraiment, vous faites place nette. Ici, c'est vraiment un tirage, si on devait l'illustrer. Si vous avez plusieurs projets en cours, et il y en a un qui est particulièrement prometteur, il y en a un où vous savez que si vous investissez dedans, vous allez réellement bénéficier de ce qu'il va vous apporter. Mais voilà, vous avez le bureau encombré de ce projet, mais aussi de tous les autres, à différents stades de développement. Certains sont intéressants, mais ils sont pas encore mûrs. Celui-là, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous faites pour ranger le bureau ? Vous mettez de l'ordre, vous faites place nette. Il est temps d'en finir, de se concentrer réellement sur ce projet dont je sais que d'ici quelques étapes, j'aurai des résultats. J'aurai réellement quelque chose qui fonctionne, qui me fait progresser.
L'un des aspects qu'il va falloir épurer, voilà, ce serait le terme, voilà, épurer, c'est les responsabilités que vous endossez, c'est les attentes auxquelles vous voulez répondre, c'est ça que j'entends par responsabilité. Dans ce tirage, dans le tirage de tarot qui est en dessous, vous cherchez à obtenir des soutiens, des ressources. Mais la position de conseil, One Ring Circus, vous dit que vous avez toutes les ressources. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous dire « ça ne sert à rien que je nettoie le bureau parce que ce projet, je ne peux pas le terminer seul. J'ai besoin d'un tel ou un tel. J'ai besoin que telle ou telle personne m'amène tel. » Non. Vous avez toutes les ressources. Il suffit simplement que vous mettiez de l'ordre pour réaliser que vous n'avez pas besoin de ressources supplémentaires. Il y a vraiment cette idée de compter sur vous-même avant tout. Et dans certains cas, à certaines personnes, de poser des limites. Il y a aussi cette dynamique-là qui est présente en dessous. Et cette carte One Ring Circus le souligne très bien, parce que c'est vraiment une carte, vous le voyez, vous êtes la personne qui a l'anneau de pouvoir, vous vous élevez assis sur cet éléphant, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous donc qui pouvez édicter les règles du jeu. C'est l'exemple que je donne souvent, parce que ça se réfère à des images culturelles qu'on n'a pas tellement en France. Circus, la référence au cirque. L'anneau de pouvoir en question, c'est celui que possède ici Madame Loyale. C'est elle qui décide dans quel ordre ça va défiler sur la piste. C'est elle, c'est son cirque. Donc c'est elle qui fait claquer du fouet quand elle en a envie. Et c'est elle qui fait dégager de la piste ceux qui n'ont rien à y faire. C'est elle qui pose ses règles. C'est elle qui utilise ses ressources pour donner, pour que ce soit le plus beau spectacle possible. Il y a vraiment une carte de pouvoir ici. Et le conseil pour réellement épurer votre environnement à tout niveau et ainsi pouvoir vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel, sur ce qui est important, eh bien, c'est de prendre le pouvoir dans votre propre vie. C'est de poser des limites, de rendre à César ce qui est à César, et vous, de vous concentrer sur ce que vous avez, parce que vous avez tellement de choses qu'il faut épurer d'abord avant de commencer. Donc ça veut dire qu'au milieu de tout ce bazar qu'il y a sur votre bureau, il y a peut-être les objets que vous estimez nécessaires pour le nouveau projet, pour son accomplissement. De toute façon, l'évolution, à partir du moment où vous prenez le pouvoir dans votre vie, que vous y faites un grand ménage pour vous concentrer sur l'essentiel, l'évolution est extrêmement positive. Dans cette situation-là, quoi qu'il arrive, le fait de prendre le pouvoir, le fait de vous concentrer sur vos ressources et d'éliminer ce qui vous entrave, ce qui vous ralentit d'une manière ou d'une autre, ça provoque l'éveil à la vie de vos rêves. Parce que c'est ça qui vient à la vie dans cette carte. C'est la réalisation de vos rêves. C'est votre accomplissement. C'est la liberté totale de mouvement. On a d'ailleurs, vous voyez, un mouvement, une ébauche de danse qui peut rappeler aussi le mat. Parce que le mat, c'est une carte où les pages, certains pages s'élancent, vous savez, sur les cartes. Parce que on amène à la vie quelque chose. Donc, prenez le pouvoir. Quelle que soit le type de ménage, d'épuration, de débarrassage de table qui est nécessaire, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les objectifs, que ce soit... ça peut être à peu près tout, hein, finalement. Prenez le pouvoir et vous verrez que les changements, à partir du moment où vous engagez, parce qu'ici c'est s'engager sur la voie du changement, sur la voie de bien meilleur, c'est pour ça que vous avez tous ces petits cœurs ici qui s'envolent. C'est pour ça que Balancing Act, il y a vraiment un engagement pour vivre en harmonie avec soi-même, en harmonie avec l'univers. Il y a un désir de s'aligner. Et c'est possible à partir du moment où on ne s'en contente pas de le penser, de le dire, on le fait. Et là,
One Ring Circus, Coming to Life, vous avez deux cartes très puissantes qui viennent vous dire que le simple fait de vous concentrer sur l'essentiel, de vous débarrasser du superflu, va vous amener très vite de bons résultats. Je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, on va creuser dans l'extension Vimeo certains aspects, cette histoire de limite à poser, notamment, je vais y revenir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.